Dernièrement, je suis né en Belgique. J'ai fait plus de ma vie en Belgique. Je suis né en, tu vois, j'ai joué en Belgique à Lierse. Ça va être un choix très difficile. À ce moment, je ne joue pas au Maroc, mais si y a une opportunité de jouer pour la Belgique, je vais penser, je vais parler avec ma famille, on va voir. Tu préfères la Belgique? Peut-être, je ne sais pas encore. C'est une décision que je dois prendre avec ma famille et avec les amis et tout. Donc, c'est difficile, quoi. Ok. Et quelles sont les différences entre le football anglais et le football belge? Sur un plan sportif et au dehors du terrain? J'étais à Lierse, donc maintenant je suis à QPR. Donc ici c'est plus physique, je veux dire plus professionnalisme. Il y a plus de professionnalisme. Et en fait je préfère ici en Angleterre. Je préfère c'est 10 fois mieux pour moi, en fait, pour le professionnalisme et tout. Donc ouais, c'est différent. Et à qui t'inspires-tu? Je m'inspire à beaucoup de joueurs, en fait. Je m'inspire à Eden Hazard, je m'inspire à David Silva, je m'inspire à les joueurs un peu que moi je veux jouer comme eux. Et ils sont petits, ils sont pas de grande taille, ils sont pas très forts comme moi. Donc c'est eux un peu. Mieux une très grande carrière en Jupiler League ou une bonne carrière en Premier League? Non, une bonne carrière en Premier League, c'est pour moi la Premier League, c'est un des plus grands, c'est peut-être la plus grande championnat dans ce monde, donc c'est la Premier League pour moi. Et lesquels des autres championnats te plaît? Italie, Espagne, Allemagne, France? Moi, j'aime bien l'Espagne, parce que bien sûr il y a Barça, Real et Atlético, mais après il y a aussi l'Italie qui c'est pas mal, mais je préfère la Première Ligue. Je pense qu'ils peuvent la gagner. Peut-être qu'ils ne sont pas les favoris, mais ils peuvent la gagner. Ils ont des joueurs avec beaucoup de qualités. Il y a De Bruyne, il y a Hazard, il y a Moussa Dembélé. Il y a beaucoup de joueurs avec des qualités qui peuvent le faire. En fait. Et De Bruyne, il a été élu le deuxième meilleur joueur en Angleterre. Qu'est-ce que tu penses de Kevin? Je pense qu'il a fait une très très bonne saison avec Manchester City. Après, il y a Mohamed Salah, il faut qu'on se dise la vérité, cette saison était superbe. Donc s'il n'y avait pas Mohamed Salah, c'était lui. Donc il peut être très content avec sa saison. Et parlons de toi, l'Euro 2000 ou la Coupe du Monde 2022, c'est tes objectifs ou tu n'y penses pas en ce moment? Bien sûr, c'est des objectifs. C'est des objectifs dans le long term. Objectifs sont. Ouais, bien sûr, pour moi, c'est un rêve. C'est un rêve. Donc, j'espère de la réaliser. À cet âge, non. À son âge. À son âge, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Il y a encore des petites questions. Courtois, le meilleur gardien au monde, oui ou non? Non. Eden Hazard devrait accepter le Real Madrid s'ils font une offre? Oui. QPA en Premier League l'année prochaine, c'est faisable? C'est faisable. Ton club favori en Angleterre? Man City. En Italie? Napoli. En France? PSG. En Allemagne? Bayern. Espagne? Barça. Et en Belgique? Un club où tu voudrais jouer peut-être? Si. Il n'y a pas d'autre choix. Si je veux dire Anderlecht. Londres ou. Ouais, je sais pas, Bruxelles. Londres. Le meilleur joueur avec qui tu as joué, tu es jeune, mais peut-être quelqu'un que tu as admiré. Le meilleur joueur que j'ai joué avec quand j'étais jeune. J'ai joué avec des joueurs que maintenant ils n'ont pas de carrière, mais. Comme par exemple jouer avec des Mouattaouine, mais là il a pas de club. Jouer avec des joueurs très forts, mais ils n'ont pas de club à ce moment. Mais faut que je dois dire Jason Denayer, quand je jouais avec lui, on savait que lui c'est un bon défenseur, un grand joueur. Et j'espère qu'il y a de bonnes choses pour lui. Il a été beaucoup critiqué parce qu'ils ont un grand club, un attaquant.
un attaquant, il faut qu'il marque. S'il ne marque pas, il va être critiqué. Donc, c'est normal un peu. Donc, moi, je pense que Lukaku, il devrait jouer. Mieux 20 millions en Chine ou 8 millions en Angleterre? À ce moment-là, 8 millions en Angleterre. Et tes rêves pour l'avenir dans les 3 prochaines années? Mon rêve, c'est la Premier League. Faut que, si, j'espère que je peux faire ça avec QPR, de jouer dans la Premier League. Sinon, ça sera. C'est ça mon objectif en fait, c'est la Premier League.